Sois petit. That you may be short. Jésus l'aime. Jesus loves him. Qu'il soit gaillard. That you may be tall and Jésus l'aime. Jesus loves him. Qu'il soit noir. That may be black. Jésus l'aime. Jesus loves him. Qu'il soit blanc. Maybe white. Jésus l'aime. Jesus loves him. Qu'il soit rouge. Maybe red. Jésus l'aime. Jesus loves him. Qui qu'il soit. Whoever he is. L'amour de Dieu est pour lui. The love of God is for him. Faisons la volonté de Dieu. Let's do the will of God. Non. No. Les gens parlent à Londres. People talk too much in London. Vous ne faites rien. You're not doing anything. Mais vous bavardez. But you only speak. Moi, je suis pas appelé à rester à Londres ici. I'm not called to remain in London. Mais si Dieu me disait. But if God was saying. Va à Manchester. Go to Manchester. Commence une œuvre là-bas. Start a new work there. Je vous promets. I can promise you. En un an. In a year. J'atteins 3000 membres. I've got 3000 members. Y a rien à faire. 3000 members. Le travail est là. The work is there. Abidjan. At Abidjan. Quand nous avons commencé l'église à Cocody. When we started the church at Cocody. En 6 mois. In 6 months. Nous étions 1500 personnes. We were 1500 members. En un an. In a year. Nous étions 2000. We were 2000. Non. No. Vous détruisez le travail de Dieu. You are destroying the work of God. Votre langue brise la main de Dieu dans votre vie. Your tongue is just destroying the hand of God in your life. Fermez vos bouches. Shut your mouth. Fermez vos bouches. Shut your mouth. Si tu es content, dis amen. If you're happy, say amen. Arrêtez ça. Stop that. Les gens ont le don spirituel. The gift spiritual, the spiritual gift. Ils ont les dons de l'esprit. The spiritual gift. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. God filled them with the Holy Ghost. C'est pourquoi. Why? Pourquoi? Why? Il vous remplit pourquoi? Why does he fill you? C'est pour le travail. That is for the work. Vous ne faites pas ça. You're not doing it. Vous attaquez. You always attack. Je vais te taper, tu vas voir. I'm gonna beat you up. Ah! Ah, you. Tu ne dois pas regarder ici à l'autre. You cannot look there. Regarde là-bas. Look over there. Voici ta route. This is your way. Fais ta route. Do your way. Go on with your way. C'est la finalité qui compte. It is the end that counts. It is the end that counts. Voici pourquoi vous n'avez pas la foi. This is why you do not have faith. Et vous pleurez tous les jours. And you cry every day. Et tous les chrétiens sont quachocants comme ça. And all the Christians are so slimy. So skinny. Arrêtez ça. Stop that. Je suis venu à Londres. I came in London. Après moi. After me. Ne me comparez à personne. Do not compare me to anyone. Dans la ville. In this town. Il y a pas deux Kakou Séverin. There's no two Kakou Séverin. C'est moi seul. It is me alone. Le jour que je payais le prix. The day I was paying the price. Je ne mangeais pas pendant 40 jours. I wasn't eating for 40 days. 30 jours, je ne mangeais pas. 30 days I wasn't eating. 21 jours, 21 nuits, je ne mangeais pas. 20 days and nights I wasn't eating. Chaque année. Each year. 21 jours. 21 chaque days. Chaque année. This year. Personne n'était là. No. Personne n'était là. No one was there. C'est moi seul. I was there alone. Je suis allé toucher à Jésus. I went and touched Jesus. Et je suis ressorti. And I came back. Et c'est le résultat que vous voyez. And this is the result you can see. Il n'y avait pas deux. There's no two. C'est moi seul. I am alone. J'ai payé le prix seul. I paid the price pour alone. Que plusieurs nations bénéficient. So that a lot of nations may receive, donc, maybe profiter. So get profit of this. Profitez. Get profit of this. C'est tout ce que Dieu vous demande. That's all God is asking you. Mais ne me comparez pas à qui que ce soit. But do not compare me to whoever. Le charisme diffère. Charism is different. According to people. Selon le don de Dieu. According to the gift of God. Est-ce qu'on est d'accord? Do we agree? Est-ce qu'on est d'accord? Do we agree? Si tu es d'accord, acclame Jésus. If you agree, clap for Jesus. Ce soir, can I help us tonight? Le Seigneur va venir à notre secours ce soir. Vous comprenez? God's going to come to our rescue tonight. Je veux vous enseigner la vérité. I want to teach you the truth. Ce qui est bon pour le royaume des cieux. What is good for the kingdom of God? Je ne veux pas égarer vos âmes.
Je ne veux pas égarer vos âmes. I don't want to mislead your souls. Je veux introduire votre vie auprès de Dieu. I want to introduce your lives to God, near God. Vous savez pourquoi je suis béni? Do you know why I'm blessed? Parce que je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Because I've never been jealous of anyone. Jamais. Never. Déplace toutes les montagnes du monde. You can move all the mountains of the world. Ton don est ton don. Your gift is yours. J'apprécierai. I will appreciate. Et je vais m'inspirer de ton expérience pour être béni. And I will be inspired of your experience to be blessed. C'est clair. That is clear. Mais ce que tu as, but what you have, je ne peux pas le prendre. I cannot take it. Mais je ne peux pas. I cannot. C'est pas un homme qui t'a donné. It is God himself who gave you. Who gave you? God gave you. Comment un homme peut prendre ça? How can a man take it away? Non. No. Quand je vois quelqu'un qui est oué, when I see somebody who's anointed, ça me plaît. It pleases me. Je veux savoir. I want to know. Quel est le secret qui le domine? What is the secret that provides that? Et quand j'ai su ça, and when I know that, je m'en vais dire Seigneur. And I go ask to the Lord. Est-ce que cela peut être approprié à ma vie? Can I also have that in my life? Si Dieu me dit oui, if God says yes, je dis permets-moi alors. I will say then Lord allow me d'avoir des qualités comme ça. To have qualities like that. Je continue ma route. And I carry on with my way. Et je me mets à prier pour lui. And I start praying for him. Pour que Dieu continue à bouger avec lui davantage. That God may carry on moving with him furthermore. Ne soyez pas jaloux entre vous. Don't be jealous to each other. With each other. Tel pasteur est jaloux de tel pasteur. A pastor like this is jealous of that one. Tel jaloux de tel fidèle. That member is jealous of that one. Tel évangéliste est jaloux de tel évangéliste. An evangelist is jealous of another one. Dieu est-il un esprit de jalousie? Is God a spirit of jealousy? L'esprit qui est en vous est un esprit de jalousie. The spirit that's within you is the spirit of jealousy. C'est de l'enfantillage. That is child. J'appelle ça l'enfantillage. That is child foolishness. L'immaturité. Immaturity. Un homme qui est mûr spirituellement. Somebody who's il n'a pas le temps. Somebody who's mature who doesn't have the time. Il n'a pas le temps. He doesn't have the time. Il n'a pas le temps. He doesn't have the time. Il s'en va. He goes. Il n'a pas le temps. He goes. On a quel temps? Doesn't have the time. On vous dit que Jésus arrive. That we're telling you that Jesus is coming back. Il faut sauver les âmes. Sauvez-les. We need to save the souls. Quel temps tu as pour aller regarder dans l'ongle de l'autre? What time do you have to go and look? Ton ongle est noir. Oh, your nails is noir. It is dirty, dark. Tu as fini de nettoyer chez toi? Have you finished cleaning yours? Non, frère. No, brother. Ma fille, tu peux aller. My sister, you can Batia. Go back. Vas-y. Vas-y, frère. Non. No. J'ai mal au... L'opération des miracles au nom de Jésus. The operation of the miracles in the name of Jesus. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Mark 5, verse 17 to 18. C'est la puissance surnaturelle pour contrecarrer les forces démoniaques. It is the supernatural power to go against the darkness forces. Vous me suivez? La puissance surnaturelle pour contrecarrer les forces démoniaques. The supernatural power to go against the demonic forces. C'est également it is as well la manifestation surnaturelle. The supernatural manifestation pouvant transformer le cours de la nature. To change the taste of the nature. C'est ça le miracle. That is the miracle. C'est ça le miracle. That is the miracle. Un miracle. A miracle. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Is something that you don't expect. Mais qui se démontre. But it's just being demonstrated. Et on a besoin de la foi. And you need faith. Pour y arriver. To get there. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. The gift to operate miracles in the name of Jesus. Opère étroitement. It operates avec tightly les dons de foi et de guérison. With the gift of faith and healing. Donc les trois dons, so the three of them, opèrent ensemble. They operate together. On peut pas les séparer. You cannot separate them. Et quand
quand il opère avec les deux autres dons, and when it's operating with the other two gifts, il y a un but que Dieu vise. There is a goal that God is looking to. C'est pour élever notre autorité. It is to lift up our authority. Au-dessus du péché. Above the sin. Au-dessus de Satan. Above Satan. Au-dessus de la maladie. Above sicknesses. Au-dessus des forces de ténèbres. Above the darkness forces. De notre temps. Of our time. Parce que ta foi se limite à ton temps. Because your faith is limited to your time. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Ta foi, your faith, se limite is limited à ton temps. To your time. Quand tu es mort, when you're dead, il n'y a plus de foi pour toi. There's no more faith for you. Vous comprenez? Do you understand? Une fois que tu es mort, once you're dead, il n'y a plus de foi pour toi. There's no more faith for you. Ta foi, your faith, est limitée is limited à ton temps. At your time. In your time. Je vous donne des références. I'm giving you scriptures. Exode 14, verset 21. Exodus 14, verse 21. Une autre référence encore. Another one. Luc chapitre 9, 11 à 17. Luke 9, 11 to 17. Suivez-moi toujours, hein. Follow me, please. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en course avec le temps, hein. Because today we're racing with the time. Nous voulons réussir l'enseignement. We want to succeed the teaching. Faire la consécration. Do the consecration. Et puis procéder à un temps de ministère. And take the time for the ministry. Pour que Dieu fasse du bien à tout le monde. That God may do good to everybody. Jacques chapitre 5 verset 17. James 5 17. Deux Rois chapitre 2 verset 14. Deux Rois chapitre 2 verset 14. Second King 2 14. Jean chapitre 11. John chapter 11. Verset 40 à 44. Verse 40 to 44. Deux Rois chapitre 13. Second King chapter 13. Verset 20 à 21. Verse 20 to 21. Là, il est question de la puissance de la résurrection, vous voyez? It is question of the power of resurrection. C'est le don d'opérer des miracles. It is the gift to operate miracles. Qui fait la résurrection des morts. To bring dead people to resurrect. C'est ce don-là qui fait la résurrection des morts. It is that gift that brings the resurrection of the dead. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Gift to operate miracles in the name of Jesus. Construit. Builds. Constructs. Construit. Construct. C'est le don qui construit l'église. It is the gift that builds the church. Oui. Yes. Oui, frère. Yes, brother. C'est le don qui construit la foi. It is the gift that builds faith. Parce que même quand tu n'as pas la foi, because when you don't have faith, que tu as vu un miracle s'opérer, that you've seen a miracle to be performed, tout de suite, straight away, la confiance naît en toi. Confidence rises in que you. Que si cela était possible pour l'autre. That when that was impossible for you, peut être aussi possible pour moi. It can be possible for me as well. Donc ce don-là construit la foi. So that gift builds up. Il permet, faith. Il permet à la foi de se reconsolider. It allows faith to rebuild itself. Il tue la peur. It kills fear. Quand quelqu'un a un don de miracle, when somebody's got a gift of miracles, un don d'opérer des miracles au nom de Jésus, a gift to perform miracles in the name of Jesus, il n'a pas peur. He's not afraid. Il n'a pas peur. He's not afraid. Un jour, one day, il y a un serpent qui est venu. A snake came. Il venait piquer quelqu'un pendant qu'on était en train de prier. He was coming to bite somebody while we were praying. L'esprit m'a dit, ouvre tes yeux. The spirit told me, open your eyes. J'ai ouvert les yeux. I've opened my eyes. Voilà un serpent. I saw a snake. J'ai dit tu meurs au nom de Jésus. I said you die in the name of Jesus. Pouf. Dead. Il est mort. It died. Il est mort. It died. Un jour il y a une sœur. When did there's a sister? J'ai présenté ma fiancée à l'époque publiquement. I introduced my fiancée publicly. Alors que c'est moi elle voulait. When she wanted me. C'est moi. That is me. Dans tout Abidjan. In all Abidjan. C'est moi Kakou tu as trouvé. It is me that she wanted. Pourquoi j'ai présenté ma fiancée? Why have I introduced my fiancée? C'est quoi? What's wrong? Demande à celui qui est à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ask your neighbor what's wrong. Oh, c'est un péché. Is that a sin? Je lui ai dit. I told her. Si tu n'arrêtes pas. If you can't find. Tu sauras qui est Jésus tout de suite. If you don't stop, you will see who's Jesus.
Et alors, et puis quoi? And then she said, so what's up? Et puis so tu what? Présentes ta fiancée. You introducing your fiancé. J'ai dit pour te montrer que j'en ai le droit le plus absolu au nom de Jésus. To show you that I had the absolute right in the name maintenant, of Jesus. Maintenant tu es paralysé pendant 2 heures. Right now you're paralyzed for 2 hours. Tes pieds sont cassés, brac. Her legs just went elle this tombé. Way. She fell. 2 heures sur deux. 2 hours. 2 heures. Two. Elle est assise. She's seated. Après une heure. After 1 hour. Demandez-lui pardon. On ask forgiveness. Demandez-lui pardon. Can you ask him forgive? Je dis ce n'est pas à moi on demande pardon. I told her you don't need to ask me. Tant que les 2 heures ne sont pas accomplies. As long as those 2 hours are not accomplished. No. Après les 2 heures. After 2 hours. Je dis lève-toi. I told her stand up. Elle s'est levée. She stood up. Ne jouez pas do not play avec le serviteur oint de Dieu. With the anointed servant of God. Ne jouez pas. Do not play. Ils vous bénissent. They bless you. Mais aller contre eux. But to go against them. C'est un danger mortel. It is a danger that can kill you. Dieu dit. God says. Ne touchez pas à mes oints. Do not harm my anointed. Moi je sais. I know. À cause de moi. Because of me. Il y a des gens qui sont morts. Some people died. Au tombeau. They are the tomb. Moi, me, frère, brother. Si vous ne voulez pas de problèmes, if you don't want any problems, laissez-moi finir ma tournée. Let me finish my crusade. Et que je me retourne. And then I'm gonna leave. Mais quand je vais partir, but when I leave, laissez mon ministère tranquille. Leave my ministry alone. Sinon vous mourrez. Otherwise you die. Je vous avertis, hein. I can warn you now. Votre histoire de parler beaucoup là. Your problem about talking vous too allez much. Mourir un à un. You will die one by one. Je ne vous maudis pas. Hein? I'm not cursing mais you. Je vous avertis. But I'm warning you. Afin que vous ne commettiez pas l'erreur. That you don't make that mistake. Pour éviter que Dieu vous frappe. To avoid God to deliver his wrath upon you. Mon propre oncle, moi mon oncle. My mon uncle. Il my est mort à cause de moi. He died because of me. Des pasteurs sont morts à cause de moi. Pastors died because of me. Dieu m'a dit. God told me. Celui qui touchera un seul grain de tes cheveux. Somebody will touch just a little piece of your hair. Il périra. He will perish. Tu as compris? Have you understood? On vous prêche la parole, vous n'écoutez pas. We are preaching to you the word, you don't listen. Vous détruisez votre vie par le péché de la langue. And you destroying your life with the bits of your tongue. Allez-y. Just carry on. Dis à ton ami, vas-y. Tell your friend, carry on. Vous n'avez pas peur de rentrer dans la vie des serviteurs de Dieu, vous-même vos pasteurs. You don't have, vous-même vos pasteurs. Your pastors. Vous prenez leur vie, vous déchirez leur vie comme you're ça. You taking their life and you tearing them apart. Il a fait ça aujourd'hui. Oh, he did this today. Il a fait ça hier. He did this yesterday. Avant-hier, il a fait ça. The day before yesterday, he did this. Un peu de modestie. Please, a little modesty. Un peu de modestie. Just a little bit of modesty. C'est des hommes avant tout. They're men just like you. Un peu de modestie. A little bit of modesty. Dans la vie, on se fait respecter. In life, you need to respect each other. On est d'accord? Do we agree? Si tu es d'accord, dis amen. If you agree, say amen. Yo. Je ne vous mens pas, hein? I'm not lying to you. Il y a un gars qui s'est levé contre nous. There is somebody who stood up against us. Je l'ai regardé. I've looked at him. Il dit pardon, ne fais pas ça. I said please don't do that. Quelque temps après, a time afterwards, il est mort. He died. Oui, ma fille. Yes, my sister. C'est pas de la blague, hein. This is no joke. Ce que vous voyez en face, Jésus. Oh, what Jésus, you can see like this, Jesus, Jesus. Il y a un danger derrière. There is a danger behind. Si tu vois que je ne suis pas bien, if you see that I have a problem, prie pour moi. Pray for me. Dieu va m'aider. God will help me. Mais ne prends pas la pierre. But do not take the stone. Déjà, il n'est pas déjà bien. You know he's not et a stone. Et puis toi, tu prends la pierre. And you're taking the stone. Mais tu vas le casser, il va mourir. But you're going to break his face, he's going to die. Non, frère. No, brother. Un peu de modestie. A little bit of modesty. Vous ne savez pas que par votre vie, de votre attitude de tous les jours, vous perdez les bénédictions de Dieu. Don't you know that in your everyday attitudes, you can lose your blessings? Vous ne savez pas. Don't you know that? Je veux m'adresser aux serviteurs de Dieu. I want to talk to the men of God.
Le jour to attack your, one to each other, le premier qui a attaqué, the first who has attacked, il vend sa grâce. He's giving his grace. Il tue sa grâce. He's killing his grace. Quand tu attaques l'autre, when you're attacking the other one, tu détruis ce que toi-même tu as. You're destroying what you already have yourself. Mais quand tu l'approches, but when you approach, pour le sortir du trou, to take him out of the trap, tu sauves sa vie, you're saving his life, et tu fais grandir ce que tu as. And you bringing what you have increase. You're increasing what you have. Ne vous attaquez pas parmi vous. Do not be attacking yourself. On se met pas derrière la chaise pour attaquer son camarade. You don't put yourself behind a desk and start attacking people. Là, there, c'est la sainteté. It is holiness. La pourriture ne doit pas sortir d'ici. No dirt from here. Ici, here, c'est la sainteté. It is holiness. Ici, là, here, c'est l'autel de Dieu. It is the altar of God. La pureté doit purity sortir d'ici. Purity must come from here. Alléluia. On ne s'attaque pas. You don't attack one to each other. On prie mutuellement. You pray to each other mutually. Et ça nous bénit. And it blesses us. Il faut que je vous dise toutes ces choses. I need to tell you all those afin things. Que vous sachiez comment protéger vos dons. So that you may know how to protect your gifts. Parce que vous pouvez avoir les dons de Dieu. Because you can have the gift of mais God. Si vous ne savez pas ces choses, but if you don't know those things, vos dons ne seront jamais opérationnels. Your gift will never be operational. You will never be able to operate your gifts. Je crois que l'Esprit est en train de nous aider ce soir. I believe the Spirit is helping us tonight. C'est Pasteur T qui fait ça. It is Pastor T that does this. C'est Pasteur François qui fait ça. It is Pastor François who does that. C'est qui encore? Who's that again? Oui, c'est lui qui fait ça. Yeah, that's him who does that. Ce n'est pas bon. That's not good. Dans ma vie. In my life. Dans ma vie. In my life. Si vous m'avez côtoyé, if you've been hanging around with me, vous le saurez. You will know. Je n'aime pas entrer dans le ministère des autres. I don't like entering people's ministry, getting into people's ministry. No. Si je peux contribuer pour aider, if I can contribute to help, je suis prêt. I am ready. Mais me mettre dedans, but to put myself into, comme si j'étais le responsable premier de ce ministère, as if I was the first responsible of that ministry. Et puis je cherche à le, and then I start to, à le casser, to tackle a little bit. Pourquoi? Why? Ton Kaku Severin? Is your name Kaku Severa? On t'appellera jamais Pasteur T. You'll never be called Pastor T. Donc tu ne peux pas prendre sa place. So you cannot take his place. Je peux nous aider ce soir? Can help us tonight. Que chacun soit à sa place. May everybody be at he or her place. Et que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire. And that everybody may do what God requires from he, from him or from her. Le don d'opérer des miracles, the gift to operate miracles, confirme, confirms, la parole de Dieu, the word of God, sa véracité, that truthness, et sa puissance, and its power. Exode chapitre 4 verset 1 à 9. Exodus chapter 4 1 to 9. Alléluia. Amen. Je veux nous aider encore. I want to help us again. Le don, the gift, des guérisons, the gift of healing. Un peu de silence les enfants. Could you be quiet a little bit? Le don, the gift, des guérisons, of healing. Je vous en prie, hein. I'm begging you. Quelqu'un à ma gauche là-bas. There's somebody at my left. Il dit pourquoi il nous menace. He's saying why is he threatening us? Je ne te menace pas. I'm not threatening you. Je prêche la parole de Dieu. I'm preaching the word of God. Et je préfère te dire la vérité. And I prefer to tell you the truth. Comme ça tu ne mourras pas. So that you may not die. C'est ça. It is that. Souvent, sometimes, quand Dieu nous parle, when God speaks to you,
Cela nous frappe. It strikes us. Quand ça te fait mal, when it hurts you, c'est parce que l'Esprit est en train de créer l'espace du salut en toi. It is because the Spirit is working on salvation inside of you. C'est pour ça que ça te fait mal. That is why it's hurting you. Mais quand la douleur va passer, but when the pain will leave, ton âme sera guérie. Your soul shall be healed. Jésus parlait en choquant. Jesus was talking shocking people. Il te choque. He was shocking. Mm-hmm. Yes. Il a raison. I'm right. Regardez. Hein? Look at this. C'est biblique. It is biblical. Il mangeait avec Pierre ensemble. He was eating with Peter together. Il dormait avec lui, marchait avec lui. He was walking with him and sleeping with him. Pierre a prophétisé. Peter prophesied. Tu es le fils du Dieu vivant. You are the son of the living God. Tu es le Christ. You are the Christ. Quelques temps après, some time afterwards, il dit à Pierre, he's telling to Peter, arrière de moi, Satan. Get away, Satan. Comment vous comprenez ça? How do you understand that? Est-ce que c'est parce que Jésus était mauvais? Was it because Jesus was bad? C'est parce qu'il était vérité. No, because he was a man of truth. Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas faire comme Pierre était en train de faire. Because he knew that the Spirit of God couldn't do as Peter donc, was doing. Il attaque le diable. So he was attacking the devil. Mais qui était en train de manipuler Pierre. Who was manipulating Peter. Arrière de moi, Satan. Get away from me, Satan. Qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens? What was he saying to the Pharisees? Bande d'hypocrites, race de vipères. You are hypocrite snakes. Pourtant, il était rempli d'amour. J'ai menti? Have I lied? Est-ce que j'ai menti? Have I lied? C'est ça la parole de Dieu. It is the word of God. Voici pourquoi. This is why. Paul enseigne. Paul teaches. La tristesse selon Dieu. The sadness according to God. Conduit l'homme à la vie. Leads men. Mais la to tristesse life. Selon l'homme. But the sadness according to conduit l'homme à la mort. Takes men to death. Je préfère que tu sois choqué selon Dieu ce soir. I prefer you to be shocked according to God. Et que ce choc là t'amène au salut éternel. And that shock may lead you to eternal salvation. C'est biblique. It is biblical. Et puis si je devais craindre les hommes. And if I had to fear men. Dieu me lâcherait. God would just drop me. Frère, brother, je vous aime. I love you. Et quand on s'aime, and when you love, when we love each other, on s'enseigne ce qui est la vérité. We teach about the truth. Et nous marchons. And we walk. Si tu es content, if you're happy, dis amen, acclame Dieu. Say amen and clap to God. Le don de la guérison, the gifts of healing, n'est pas long. Il n'est pas long à enseigner. It is not long to teach about it. Il prend seulement 3-4 minutes. It only takes 3 or 4 minutes. Parce que celui-là, because that one, on le démontre. Needs to be demonstrated. Il n'a pas besoin de commentaires. Doesn't need comments. Lui se vit. It needs to be lived. C'est la manifestation surnaturelle. It is a supernatural manifestation. Pour la guérison de toutes sortes de maladies. For the healing of all sorts of sicknesses. Toutes sortes de maladies. All sorts of sicknesses. Il fait usage d'un don de créativité. It uses a gift of creativity. C'est un don qui crée. It is a gift that creates. Il y a le mal. There is. Il crée le bien. There is evil. It turns it into good. Il y a la douleur. There is pain. Et il crée. And it creates. Il est puissant. It is powerful. Frère. Brother. Il est puissant. It is powerful. Frère. Brother. Il est puissant. It is powerful. Est-ce que vous le savez? Did you know that? Il est puissant. It is powerful. Je vous donne un conseil. I'm giving you an advice. Priez Dieu, pasteur. Pray God, pastors. De sorte que, so that, quand vous prêcherez, when you preach, que vous direz, when you say, Jésus guérit, Jesus delivers, il faudra qu'il guérisse. He would have to be healing. Quand vous direz, when you will say, Jésus délivre, Jesus delivers, il faudra qu'il délivre. He will need to deliver.
Quand vous direz, when you'll say, Jésus opère les miracles, Jesus performs miracles, il faudra qu'il opère des miracles. He will need to perform miracles. Et votre ministère sera crédible selon la parole. And your ministry will be credible according to Parce the word. Parce que c'est un don de crédibilité. Because it is a gift of credibility. Il confirme les signes et les prodiges de la parole. He confirms signs and wonders of the word. Il accompagne les prédicateurs le plus souvent. Accompanies the servants, preachers. Mais c'est un don But it is a gift qui a besoin that needs que tu sois that you may be humble. 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 C'est un don que tu as besoin. It is a gift that you need. Que toi le canal. That you may be the mean. Tu sois effacé. That you may be. That you may be erased. C'est pas clean. Cleared or erased. Effacé. Erased, cleared. Il est guéri. He's healed. Et tu lui dis pardon. And you said, I'm sorry. Pardon, ne dis pas mon nom. Don't say my name, please. Il est guéri. He's healed. Et tu lui dis pardon. And you telling him, please, sorry. Oublie-moi. Forget me. Parce que. Because. Il se renforce. It is re-strengthened. Sur les pas. Upon steps. De l'humilité. Of humility. Il prend davantage la force. It's taking strength, more strength. Sur les pas de l'humilité. On the steps of humility. Amen. Amen. Quelqu'un a mal à l'œil gauche? There's somebody's got a pain at the left here, left eye. Yeah. Come up. L'œil gauche. Left eye. Yeah. Come. L'œil gauche, gauche, gauche. Your left eye. Yeah. Come. Mets ta main sur ton œil. Put your hand on your eye. Dis Seigneur. Say Lord. Je m'en vais vers lui. I'm going to parle, him. Parle, je m'en vais vers lui. I'm going to him. Arrivé sur le pupitre. So when I reach the desk. Parle, parle, frère, parle. Speak, speak. Arrivé sur le pupitre. Œil qui voyait clair. Close the other eyes, they will see clearly. Regarde-les. Now look them. Arrête-toi, ma fille, arrête-toi. Stand there, stand there. Arrête-toi, arrête-toi. Stand there. Frère, tu peux aller à ta place. My brother, you can go back to your place. Tu veux me faire cadeau, la canne? You want to give me that cane? Hein? Do you want to give me that cane? Laissez-la, laissez-la. Leave her alone. Tu veux me faire cadeau? Do you want to give me that as a gift? Tu veux me donner cadeau? Do you want to give me that as a gift? Appuie-toi dessus. Lean on it. Lean on it. Lean on it. Appuie-toi dessus. Lean on it. Tu me vois? Can you see me? Ah, elle parle anglais, c'est ça? She speaks English. Okay. I want to try to speak English with you. Je voudrais parler un peu en anglais avec toi. Jesus Christ, Jésus Christ, you are my God, tu es mon Dieu, you are my Lord, tu es mon Seigneur. Heal this woman, guéris cette femme, forever, pour toujours. Heal her. Guéris-la. Let you walk like me. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.
cette marche. Come take my hand. Viens à moi. Viens à moi. Come take my hand. Viens à moi. Do you know his name? Tu connais son nom? What is name? Quel est son nom? Jesus. Jésus. What is name? Jesus. What is name? Quel est son nom? Jesus. Est-ce que vous voulez acclamer Jésus très Can fort? Can you clap Jesus for this? Permet que la maladie ne revienne plus jamais en elle. Allow the sickness never to come back into her. Permet que jamais la maladie ne revienne en elle. And allow that the sickness never come back into her. Et que les pieds de cette femme qui était enflée soient dégonflés. And that the feet of this woman that was swollen au nom de Jésus and swollen now in the name of Jesus soit dégonflée and swollen. Qui soit dégonflée and swollen. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jesus Christ is with you. Jésus-Christ a guéri. Look at me. Regarde-moi. Look at me. Regarde-moi. Le don de guérison, the gift of healing, nécessite la foi, seizes your faith, pour se produire, needed your faith to be produced. Le don des guérisons, the gift of healing, est la manifestation, is the manifestation, de la puissance de Dieu, of the power of God. Attrape mon micro, Pasteur Hakim. Grab my mic, Pasteur Hakim. Londres va être visité par mon London's Dieu. London's going to be visited. Mon Dieu va visiter cette ville. My God's going to visit this town. Mon Dieu va visiter cette ville. My God's going to visit this town. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, viens. Stand up, my sister. Lève-toi en rouge. Lève-toi, stand up viens. In red. Stand up. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. Stand up, stand up. Tu vas visiter cette nation. You will visit this nation. Mon Dieu va visiter. My God ville. Will visit this nation. Mon Dieu va visiter. My God will visit this Mon town. Mon Dieu va visiter cette ville. My God will visit this Lève-toi, town. Lève-toi, ma fille. Stand up, sister. Ferme tes yeux. Close your eyes. Mon Dieu va visiter cette ville. My God's going to visit this town. Mon Dieu va enlever vos maladies aujourd'hui. My God's going to take your sicknesses Mon away. Mon Dieu va démontrer la puissance de sa présence. My God's going to demonstrate the power of his Mon presence. Mon Dieu est ici. My God is here. Pour vous faire du bien aujourd'hui. To do good today. Amène-la, ma sœur. Viens, viens. Come over here. Viens. Come over here. Close your eyes. It is yours. Mon Dieu va vous toucher aujourd'hui. My God's going to touch you tonight. Mon Dieu va vous toucher aujourd'hui. My God's going to touch you tonight. Ma fille, viens, viens, viens. My sister, come up. Viens. Laisse ta maman qui est derrière venir aussi. Viens, viens, viens. Come, come. C'est la puissance du Saint-Esprit. It is the power of the Holy Ghost. Mon Dieu est ici ce soir. My God is here tonight. L'onction. The anointing. De la guérison. Of the anointing of the healing. Is here. Que tu as comme souffrance. What is your pain? Qu'est-ce que tu as comme souffrance? What is your sufferings? Tu veux courir aujourd'hui? You want to be running today? Est-ce que tu veux courir aujourd'hui? Do you want to be running today? Que tu veux courir aujourd'hui? Do you want to be running today? Est-ce que tu veux courir aujourd'hui? Do you want to be running today? Lève ta main. Raise up your hands. Dis-lui. Tell him. Je veux courir. I want to run. Je veux courir. I want to run. Je veux courir. I want to run. Maintenant. Now. Je reçois la guérison pour courir. I receive the healing to run. Ferme tes yeux. Close your eyes. Donne-lui.
la guérison. Give her the healing. Pour courir. To run. Aujourd'hui. Today. Pour courir. To run. Aujourd'hui. Today. Le rhumatisme disparaît. Rheumatism is disappearing. Prenez courage autour d'elle. Take courage around her. Il y a une opération très puissante. There is a powerful operation. Jesus. Jesus. Vous verrez la puissance de la guérison divine. You will see the power of divine healing. Vous verrez que le Dieu que vous adorez est le Dieu qui peut tout faire. You will see that the God you are adoring is the God that can do everything. Regardez cette maman. Regardez bien cette maman. Look at this woman correctly. Quand elle va lâcher mes mains, when she will leave my hands, l'opération de Dieu se sera terminée. The operation of God would be finished. Observez vous-même. Observe by yourself. C'est pas moi qui la tiens. I'm not holding her. C'est elle qui me tient. She is holding me. Même opéré. Hey. Look at her. Merci Jésus. Thank you Jesus. Cool. Run. Ne t'inquiète pas, elle va courir. Don't worry, she will run. Maman, mother, c'est pas une question d'un âge. Hein. I know that you're a bit. Il y a l'espace. But you got some space there. You can run. Cool. Run. 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 Laisse-le sur la piquine. Laisse-le au début. C'est toujours bon que l'enfant vienne. Donne-moi ta main. Give me your hand. Consolez-la, consolez-la. Can you comfort her, please? Ça, c'est la puissance de Dieu. This is the power of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Les miracles de Dieu vont siéger. Miracle of God is going to occur. Les miracles de Dieu vont siéger ce soir. The miracle of God are going to occur tonight. Oh my God. J'ai Jésus qui s'appelle Jésus-Christ. I've got Jesus. Jesus of Nazareth. C'est quoi l'enfant? What's wrong with that kid? C'est quoi la fille? What's wrong with that girl? Ah, il est sourd. Merci Seigneur. Thank you Lord. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Assurité, lâche-le. Death, leave him alone. Protégez-le, protégez-le. Can you protect him? Lâche-le. Leave him. Lâche-le. Leave him. Esprit sourd et muet. You spirit of death. Lâche-le. Leave him. Esprit sourd et muet. Deaf spirit, leave him. Tu pars. You leaving. Je délie sa langue. I am blessing his tongue. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Start clapping. Start clapping. C'est moi, j'acclame. Le don des guérisons. The gift of healing produit des miracles. Produce miracle. Bonjour, ça va? Hi, are you alright? Ça va. Ça va. Are you alright? Je parle anglais. How are you? Comment tu vas? English. En Swahili. Swahili.
English and Swahili. Speak Swahili with him. Speak Swahili with him. Speak Swahili. Speak Swahili. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? I call his name. What is his name? Tell me. Quel est son nom? Samuel. Samuel. Samuel Kamau. Bonjour Samuel Kamau. Jésus est ton ami. Hi Samuel. Jesus is your friend. Jésus est ton ami. Jesus is your friend. Approche le bébé. Get close to him. Je veux pas perdre l'heure. In the name of Jesus, I don't lose the time. I'm coming. Consultez mon heure d'abord. Time. Parce qu'ici là, ça s'appelle Londres. This is the time. Calmez-vous. Calm down. N'amenez pas le malade pour l'instant. Don't bring the problems around. Non, non, qu'on n'amène pas le malade pour l'instant. Slowly, touch you. Il va opérer. He's going to operate. Même si je ne vais pas vers toi, even if I don't come to you, il va opérer. He will operate. Si vous le croyez, if you believe, vous le verrez. You will see it. You see it. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Attendez-moi un peu. Wait a minute. Et croyez en Jésus maintenant. And believe in Jesus now. Je vous donne les références rapidement, comme ça on ne revient plus dessus, d'accord? I'm giving you the scriptures quickly so that we may not come back to it again. Prenez les références rapidement et on ne revient plus parce que l'enseignement est terminé. Take the scriptures right now because the teaching is over. Acte chapitre 5, verset 1 à 12. Acte chapitre 5, 1 to 12. Prenez vite les références avant que je ne passe. Take the scriptures quickly before I may start moving. Acte 3, 1 à 8. Acte 3, 1 to 8. Matthieu 15, 29 à 31. Matthew 15, 29 to 31. Vous me suivez toujours? Are you following? Acte 9. Act 9. Verset 33 à 34. Verse 30 to 34. Suivez-moi toujours, n'est-ce pas? Follow me. Faites-le asseoir. C'est une chaise, donnez-lui là. Give him a chair. Luc chapitre 18, 35 à 30, à 43. Luke 18, 35 to 43. Matthieu 12, Matthew 12, 13 à 15, 14 to 15. Merci Jésus. Thank you Jesus. J'ai encore combien de minutes? How many minutes do I have left? 45. 45 minutes. 45. 45 minutes. C'est combien? Non. Two. Avant de pouvoir continuer, before we may carry on, nous voulons finir avec la consécration en 5 minutes. We want to finish with the consecration in 5 minutes. Voilà, finissons avec dans 5 minutes. Let's finish with it in 5 minutes. Puis on entre dans le ministère. And then we were going to start the ministry. Nous sommes d'accord? Do we agree? À bouger. God will move. Il y a des gens qui verront Jésus. Some people will be seeing Jesus. L'onction va tomber sur ceux qui sont appelés. The anointing will fall upon those who are called. Les dons de Dieu vont descendre. The gift of God will come down. Je vous assure que quelque chose va se passer. I can assure you something's going to happen. Alléluia. Quelque chose va se passer. Something's going to happen. Nous voulons entrer dans la phase du mouvement de l'esprit. We want to enter into phase of the movement of the spirit. Nous voulons inviter l'évangéliste. We want to invite the evangelist. Rabbi Dominique ici. Rabbi Dominique up here. Nous voulons inviter le pasteur Hakim à côté de lui. We want to invite Pastor Hakim next to him. Well, lui. Le plateau. Et le pasteur Michel. And Pastor Michel. À se positionner derrière eux. Thank you.
C'est une action sacrée. This is a sacred action. Et biblique. And biblical. Elle est puissante. It is powerful. Elle engage l'approbation de Dieu dans, dans le ministère de ses serviteurs. Commits the approbation of God in the ministry of the servant. Elle constitue une attestation de l'esprit sur la vie. And it does constitute an attestation of the spirit in their lives. La Bible dit quand David fut oint d'huile, the Bible said that when David been anointed of oil, alors l'esprit se saisit de lui. The spirit seized him. L'esprit va se saisir d'eux tout de suite. The spirit is going to seize them right now. Je vous assure. I can assure you. Et vous verrez. And you'll see, après cette consécration, after this consecration, s'ils touchent quelqu'un, if they touch somebody, l'action de l'esprit sera plus qu'au préalable. The action of the spirit will be more than before. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ont été consacrés à Dieu, livrés à Dieu. Because they've been given to God, consecrated to God. Je l'ai été moi-même. I've been there myself. Et depuis ce jour, and since that day, l'esprit s'est saisi de moi jusqu'aujourd'hui. The spirit sees me up to today. Accepte que j'obéisse à ta présence. Accept me to obey to your presence. Accepte que je sois compté parmi les moindres devant toi, Seigneur. Accept me to be counted amongst the least who are before you. Accepte qu'aucune valeur ne me soit attribuée. Accept that no value may be given to me. Accepte que ce canal soit pur par l'esprit de Dieu. Accept that this means may be pure by your spirit. Accepte que ton esprit empoigne la vie de tes serviteurs. Accept that your spirit may empower the life of your servant. Ceci est ta volonté. I want to do your will. Merci mon Dieu. Thank you my God. Qu'à jamais. Forever. À jamais. Forever. Tu seras glorifié. You will be glorified. À jamais. Forever. Tu seras élevé. You will be lifted up. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Raise your hands. Je voudrais que ton trône soit ici. I want your throne to be here. Manifesté. Manifested. Communique-lui l'onction. Communicate to him the anointing. Et la puissance de ton esprit. And the power of your spirit. Prends-la avec toi. Take it with you. Aujourd'hui même. Today. Et partout où tu iras. Wherever you will go. Que la puissance de Dieu imprègne ta vie. May the power of God follow in your life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père, donne-lui l'onction. Father, give him the anointing. Et partout où il ira. Wherever he may go. Que la puissance de Dieu imprègne sa vie. May the power of God may follow in his life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Père, donne-lui l'onction. Father, give him the anointing. Et que tout ce qu'il dira de sa bouche. That whatsoever he will say from his mouth. Soit accompagné de feu et de puissance. May be accompanied by fire and power. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. L'esprit. Give him the spirit. Et que tout ce qu'il dira, that whatever he will say, soit accompagné de feu et de puissance. May be accompanied with fire and au nom de Jésus. In the name of Jesus. Relevez-le. Stand him up. Approuve que publiquement ceci te soit présenté. Approve biblically that this may be presented to you. Transformé en ton sang, because it's made of your blood. En une huile de feu, in a fired pour oil. Consacrer tes serviteurs, to consecrate your servant. Et que la gloire te soit donnée, and that the glory may be given to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mettez-les à genoux. I want them to kneel down. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pasteur François. Pastor François. Arrive s'il te plaît. Can you come up please?
Pastor Willis. Pastor Willie. Tu peux venir. Can you come up? Levez vos mains. Raise your hands. Tu permettras que leur ministère soit étendu jusqu'au-delà de temps. You will allow that the ministry may be expanding above the time. Tu permettras que partout ils iront, l'approbation de ta gloire les accompagne. You will allow that wherever they may go, the approbation of your glory may follow them. Tu permettras que ces jeunes gens soient un maillon du revêt spirituel de leur génération. You will allow that those people may be a link of spiritual awakening. Tu permettras que partout ton nom sera mentionné, leur vie soit bénie. You will allow that wherever your name may be mentioned, their life may be blessed. Tu permettras que partout, Seigneur, ils parleront de toi, que la trace de l'esprit demeure. Lord, you will allow that wherever they speak about you, that the trace of your spirit may remain. La puissance de ton esprit. The portion of the power of your spirit may be marked. Je te les donne aujourd'hui. I'm giving them to you. Comme un sacrifice vivant. As a living sacrifice. Éprouvé. Approved. Agréé de Dieu. Triumphant by God. À la louange de ta gloire. To the praise of your name. Par l'attestation de ton esprit. By the attestation of your spirit. Qui depuis les temps anciens a toujours travaillé. From the ancient time always worked. Et qui a toujours dédié les hommes à sa cause. And always dedicated men to his cause. Pour agréer que le royaume des cieux avance. To announce so that the gospel of may carry on. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Sous la puissance de Dieu. Under the power of God. Avec l'approbation de ta présence. With the approbation of your presence. Permet que les dons spirituels leur soient accordés. Allow that the spiritual gift may be given to them. Que le don de l'esprit leur soit accordé. The gift of the spirit may be given to them. En puissance. The power. Et en force. And strength. Devant témoins. Before witnesses. Et devant le royaume de Dieu. Before the kingdom of God. À compter d'aujourd'hui. From now on. Ils parleront de toi. They will speak about you. Partout ils iront. Wherever they'll go. Que jamais Satan ne résiste à leur autorité. Never Satan will resist them. Seigneur. Lord. Les voici. Here they are. Jeunes en âge. I commit. Mais tu te chargeras de leur maturité. But you will take care of the maturity. L'expérience viendra avec le service. And the experience will come afterwards. Sans toi. Without you. Nous ne sommes rien. We are nothing. Hakim Loba, aujourd'hui, today, devant Dieu, before God, devant les hommes, before men, devant les anges, before angels, par l'autorité de Dieu qui nous a été impartie, by the authority of God that's been given to us, aujourd'hui je te consacre, today I consecrate pastor, you, pastor, va, go, partout dans le monde, wherever in the world, éloigne-toi de toute adversité de l'évangile. Get away from all adversity of the gospel. Prêche la parole. Preach the gospel. En temps admettant ou pas. In hard times or not. Censures. Sorts. Exalts. Reprends. Take back. Reprends. Take back. Avec amour. With love. Et prêche la parole de Dieu. And preach the word que of God. Les signes et les prodiges. Signs and wonders. Accompagne ton ministère. May accompany your ministry. Partout où tu iras. Wherever you will go. Aujourd'hui. In today. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Dominique Rabé, devant Dieu, before devant God, les anges, before the angels, et devant les hommes, and before men, par l'autorité de Dieu qui nous a été impartie, by the authority of God that's been given to us, je te consacre, évangéliste, I consecrate you, evangelist, partout dans le monde entier, wherever you will go, tu iras, you will go, censures, prêche, preach, et que les and the wonders, tout ce que tu diras. À tes lèvres, allow Lord, que l'onction, the anointing, concrétise, the anointing, la parole qui sortira de ta bouche, by the word that will come out of your mouth, prêche, preach, et censure, and censure, en de temps favorable ou non, in our times or not, et qu'au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus Christ, le signe et le prodige accompagnent, signs and wonders will follow you. Stand up.
Lève les mains vers Dieu. Raise your hands to God. Montez les filles. L'onction est dans la salle. The anointing is in the hall. L'onction est dans la salle. The anointing is in this hall. L'onction du Saint-Esprit est dans la salle. The anointing of the Holy Ghost is here. L'onction de miracle est dans la salle. A miracle anointing in the hall. L'onction de plénitude est dans la salle. A fullness anointing in the hall. La puissance de Dieu est dans la salle. The power of God is in this hall. La puissance de Dieu est dans la salle. The power of God is in this hall. La puissance de Dieu est dans la salle. The power of God is in this hall. La puissance de Dieu est dans la salle. The power of God is in this hall. Levez vos mains s'il vous plaît. Raise your hands. Nous t'accueillons. Vas-y, levez les mains vers le Seigneur. Raise your hands. Tout le monde lève les mains vers le Seigneur. Everybody raise your hands. Tout le monde lève les mains vers le Seigneur. Let's raise our hands. Tout le monde lève les mains vers le Seigneur. Everybody raise your hands. Voici l'esprit. This is the spirit. Voici l'esprit. 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 Raise your hands to God. Levez les mains vers Dieu. Raise your hands to God. Tout le monde. Everybody. Raise your hand to God. Les dons du Saint-Esprit sont ici ce soir. The gift of the Spirit are flowing down tonight. Ouvrez votre bouche et demandez à Dieu maintenant de descendre dans votre vie. Open your mouth and ask God to come prions down in your le Seigneur life. Rapidement. Prions le Seigneur let's rapidement. Let's pray to God quickly. Let's pray prions to God. Seigneur, prions quickly, le Seigneur. Quickly, let's pray to God. Demande le don que tu veux. Demande ask le don que tu veux. The gift that you need. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. L'Esprit est présent ce soir. The Spirit is present in this place. Esprit de Dieu, viens parmi nous. The Spirit of God is coming upon us. Dites après moi, Saint-Esprit, viens ce soir. Tell after me, Holy Ghost, come tonight. Saint-Esprit, viens ce soir. Holy Ghost, come tonight. Esprit de Dieu, viens ce soir. Spirit of God, come tonight. Voici l'Esprit pour vous. Recevez-le. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Receive it.
tous ceux qui demandent le don de la parole de connaissance, all those who are asking for the gift of word of knowledge, receive it right now. Voici l'onction pour vous. This is the anointing for you. Receive it. Gardez vos mains levées ce soir. Keep your hands raised up. L'onction du Saint-Esprit vous apporte le don spirituel. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Tous ceux qui sont appelés à servir Dieu. All those who are called to tous serve ceux God. Qui sont appelés à servir Dieu ce All soir. Those who are called to serve God tous tonight. Ceux qui sont prêts à recevoir le don. All those who are ready to receive the gifts. Tous ceux qui sont prêts. Tous ceux qui All sont those prêts. Who are ready. Tous ceux qui sont prêts. All those who are ready. Recevez-les maintenant. Receive them right now. Recevez-les maintenant. Receive them right now. Recevez-les maintenant. Receive them right now. Maintenant. 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 Right now. L'onction de l'esprit arrive sur vous. The anointing of the Spirit is coming Beaucoup upon prophétiseront. You. And they shall prophesy. Beaucoup prophétiseront. A lot will prophesy. Tous ceux qui sont ici. All those who are here. Ils guériront les malades au nom de Jésus. They will be setting people free in the name Pendant of Jesus. Que vos mains sont tendues vers Dieu. While your hands are raised up Recevez to God. Recevez l'onction pour la guérison Receive des malades. Receive the anointing for the healing of miracles. Recevez-la. Receive it. Recevez-la.